Alors bonsoir à toutes et à tous, Michel pour direct de la Web TV. Un retour cette année, c'est la première fois qu'on revient à Saint-Hilaire-les-Cambrais. On a Catherine avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour Michel. Bonjour Carole. Bonjour Michel. Et bonjour Louisette. Bonjour Michel. Alors Carole, vous organisez la première Color Run. Déjà, c'est quoi une Color Run? Eh bien, c'est soit une marche ou alors une course. Et donc, pendant ce trajet, on lance de la poudre pour colorer les gens. Et donc, à la fin, il y a un grand jeté de couleurs également. Il faut venir en tenue, pas de ville. Oui, donc voilà, là, il faut venir avec au moins un t-shirt blanc pour que les couleurs, elles apparaissent. Si vous avez des lunettes également, comme ça, vous n'aurez pas de poudre dans les yeux. Ça, c'est déjà une première chose à respecter. Alors, ça va se passer à Saint-Hilaire, ça va se passer quel jour ? Alors, ça se passe le 1er juin. Donc, à partir de 14h, on va accueillir les personnes qui veulent participer. Voilà, je voudrais revenir sur ce projet. C'est un grand événement, c'est une première. Et donc, c'est fait en lien avec notre adjointe d'animation, Amandine Mérès, et puis donc le comité des fêtes. Alors c'est pour une bonne cause, Voilà, c'est ça, c'est pour une bonne cause. C'est donc l'ensemble des bénéfices sera reversé pour le voyage des CM2, pour le voyage de ski. Donc là, c'est caritatif. Et puis deuxièmement, ça permet d'animer le village. Alors c'est pas gratuit, ça coûte combien pour venir courir? Alors 12 euros à partir de 8 ans. En dessous de 8 ans, voilà, ça sera gratuit. Alors, j'ai vu que vous leur remettiez un kit Color Run. C'est voilà, quoi ce kit? À l'intérieur, y aura plusieurs choses. Pour l'instant, voilà, on ne détaille pas, ça sera la surprise. C'est une surprise, bon. Voilà. Les inscriptions, Michel. Donc, vous pouvez vous inscrire au moins jusqu'au 25 mai. Si vous voyez l'affiche, il y a un QR code pour vous inscrire. Vous pouvez soit m'appeler moi ou alors notre présidente, Catherine, et puis donc voilà, on vous inscrira. Mais le jour même, on pourra aussi s'inscrire. On va pouvoir, si vraiment il y a des gens qui arrivent le jour même, on pourra les inscrire, qu'il n'y a pas de problème à ça. Vous comptez combien de personnes au maximum pour les deux courses? Oh, une bonne centaine minimum, j'espère, même plus. Ouais. On va bien partir sur 200, c'est la première, on va voir. Alors, il y a deux distances. Oui, il y a 3 km et 6 km. Alors, ça va passer dans Saint-Hilaire-les-Cambrais. Alors, moi, je ne connais pas Saint-Hilaire-les-Cambrais. Est-ce qu'il y a des zones difficiles? Il y a des grandes montées, des grandes descentes? Non, c'est facile. Et surtout, on va aussi aux Hortensions. On va aller, on va passer par ces personnes, la maison de retraite, pour aussi animer un petit peu. Tous les retraités vont jeter de la poudre de couleur? Oui, ils vont participer. Ils participent avec nous, c'est-à-dire qu'ils vont venir courir avec nous, enfin courir, marcher avec nous. Voilà. Alors, quelques mots de Louisette qui avait quelque chose à nous dire également. Moi, c'est pour le programme. Alors, donc, de 14h à 15h, il y a le pointage et la distribution de bracelets et du kit de course. À 15h, on fera l'échauffement des marcheurs en musique avec Sophie. À 15h25, départ des marcheurs du 3 km et du 6 km. Ensuite, de 15h40 à 16h, il y a l'échauffement des coureurs en musique, toujours avec Sophie. À 16h05, le départ des coureurs du 3 km et du 6 km. Et à 17h30, le lancer de poudre général. À 18h, après l'effort, le réconfort, le verre de l'amitié. Et après, là, tout le monde s'amuse. Voilà. J'ai même vu que vous aviez un concert le soir. Oui, tout à fait. Les Black Litters qui seront présents pour animer cette fin de journée. Et juste... Oui, c'est ce que j'allais dire, à 18h, si les gens ont envie de manger quelque chose, Il y aura tout ce qu'il faut, il y aura un barbecue, on attend les gens. Même ceux qui n'ont pas participé à la course peuvent venir passer la soirée avec nous. On les attend de bon cœur. Surtout qu'au mois de juin, en principe, il fait bon ici à Saint-Hilaire. Oui, en principe. Oui, c'est voté. Avec Carole, il fait toujours bon. À chaque fois qu'elle fait un événement, il fait bon. Oui, c'est vrai, on a toujours bien réussi, donc pourquoi pas cette fois-ci, hein. Alors, vous vouliez aussi mettre en avant les gens qui vous aident, parce que vous n'êtes pas tout seul à faire ça, vous avez des magasins qui vous aident. Il y a beaucoup de commerçants qui nous ont aidés. Tout d'abord, le Vincennes, notre café qui est pas loin d'ici. Il nous aide beaucoup. Oui, il nous aide beaucoup. C'est lui qui nous aide pour tout ce qui est boisson et puis aussi organisation. Voilà. Et on voudrait le remercier. Oui. C'est Alain. On remercie fortement Alain. Après la boulangerie,
Intersport, la coopérative de Saint-Hilaire, les camps TP, Marco Emballage, Edin Ravalement, Herbin Ravalement, excusez-moi, la boucherie du terroir, le relais, Caroline Création, les Hortensias, le magasin Ruelle. Hervé Taupier, donc c'est le monsieur qui vient pour nos tops sur Saint-Hilaire. Au coin Fleury, le Crédit Mutuel et Radical Service. Medical Service. Voilà, ça sera l'ensemble des gens qui nous aident pour l'instant, ouais. Qui sont sûrs qu'ils ont participé avec nous. Et on entend encore aussi des bons donateurs, donc on attend, ouais. On accorde des commerçants à remercier d'ici quelques temps. Donc s'ils nous regardent, et déjà ils doivent s'inscrire pour vous contacter puis vous aider. Vous avez déjà beaucoup d'inscriptions, Carole ? Je pense qu'on doit être à peu près une cinquantaine. Donc il vous en manque au moins 50, voire plus. Mais tout à l'heure on parlait du nombre, on parlait de ça, mais le maximum que vous pourriez avoir, il n'y a pas de maximum ? Il n'y a pas. On attend beaucoup de monde. Ouais, voilà. On aimerait bien. Ouais. Par contre, on a des bénévoles et on peut... S'il y a des bénévoles qui veulent bien se dévouer et venir aussi, il n'y a pas de souci. Voilà. Je crois que vous allez en trouver, parce que s'il faut des bénévoles pour mettre de la poudre sur les gens qui passent, vous allez en trouver beaucoup. Carole, le mot de la fin, si on a tout dit. Eh bien, mobilisez-vous, c'est pour les enfants de Saint-Hilaire. Donc, nous vous attendons et vous serez les bienvenus. Soyez indulgents, c'est une première. Voilà. On espère qu'on se reverra pour les autres éditions. D'ailleurs, vous allez faire plaisir aux enfants, mais vous allez vous faire plaisir, parce que quand vous allez ressortir tout coloré, c'est magnifique. J'ai été voir quelques courses, d'ailleurs, courses comme ça de Rennes, où c'est magnifique. Hein, les gens, c'est la fête, c'est la musique. En plus, vous allez mettre de la musique. Oui, voilà, c'est ça. Il y aura le concert. Ouais, voilà. Il y aura le concert, puis on les Black Lever. On n'est pas obligé de courir. Hein. On vient aussi en marchant, en se promenant, voilà. On vient pour participer avant tout. Ce n'est pas une course, c'est pour prendre plaisir, c'est tout. Très bien, écoutez, merci à toutes les trois. Donc je rappelle, c'est le samedi 1er juin à partir de 14h, c'est à Saint-Hilaire-les-Cambrai. C'est pas très loin pour ceux qui me connaissent de Caudry. Je suis venu sans GPS, donc c'est vous dire. C'est pas très loin, on trouve facilement. Inscrivez-vous, c'est pas très cher, c'est 12 euros. Alors si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, vous leur dites bien que ça sera retransmis tout à l'heure sur le www.ledirectdewebtv.fr. C'est le site internet, c'est gratuit, l'accès au site. Et on sera ce soir à haute définition sur notre chaîne YouTube. Merci à toutes les trois et bonne course. Vous allez toutes les trois courir ? Nous, on organise. Donc on ne peut pas. Pour tout. Voilà. Non, je m'imagine jamais couvert de poutre. Oh, on fera une photo. Il faut nous envoyer ça. Voilà. Merci à toutes les trois. Bonne soirée. Merci beaucoup.